Allez, allez, j'ai inventé un nouveau jeu de pêche, c'est trop bien. Non mais j'y crois pas, Esteban, il a vraiment cassé mon téléphone. Je vais prendre celui-là, il est trop beau. Oh, il est trop beau, regardez. J'en étais sûre, tu t'en as commandé un. Non, non, pas du tout. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Allez, allez, j'ai inventé un nouveau jeu de pêche, c'est trop bien. Il faut coller un iPhone au bout d'une... Bon, c'est pas une canne à pêche, Lyros, viens, c'est un jeu pour faire du poisson pané. Mais Esteban, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est, regarde, c'est un nouveau jeu. Mais tu fais n'importe quoi, regarde, tu vas le casser. Il faut pêcher comme ça, hop, et oh, oula. Oh. T'es sérieux? Oh, je suis désolé. Mais Esteban, tu te rends compte de ce que t'as fait? Attends, il a pas de... Vas-y, tiens, c'est facile, si tu veux jouer au jeu, il a pas de problème, ok? Mais quelle idée de faire une canne à pêche avec un téléphone? Ouais, mais c'est un jeu que j'ai inventé, c'est un jeu de pêche sur téléphone. Allez, je te donne rendez-vous tout à l'heure, t'inquiète pas, il va bien, je te le rends après. Non mais j'y crois pas, il a vraiment fait une canne à pêche avec un balai et avec mon téléphone. Maintenant il va être cassé, j'en ai marre, comment je vais faire maintenant? Oh Lyros, finalement je vais te le donner tout de suite, mais tu me dis rien, ok? Vas-y, tiens. C'est quoi ça? Esteban, qu'est-ce que t'as fait? J'ai peur, je te dirai pas. Tu t'occupes toi-même de ton truc, il est pas cassé. Sérieux? Il est pas cassé en vrai. Mais si, il est cassé. Oh là là, j'en ai marre, je vais me venger, je vais faire quelque chose, mais je vais pas le laisser s'en sortir comme ça. Non mais j'y crois pas, Esteban, il a vraiment cassé mon téléphone. Il y a un gros truc noir au milieu, comment je vais faire maintenant? Si j'en rachetais un autre. Je crois que je vais aller commander un téléphone sur le compte d'Esteban. C'est Esteban qui va payer puisque c'est lui qui l'a cassé. Bon allez, c'est parti. Comment je vais faire, mon pauvre téléphone? Oh là là. Hier, elle a fait un truc que je peux pas lui pardonner. Elle m'a réveillé pendant ma sieste. Et bah voilà, comme ça au moins, elle jouera moins à son téléphone et elle travaillera plus. Et de toute façon, elle pourra pas en avoir un avant au moins son prochain anniversaire. Et c'est dans presque un an. Tant pis pour elle. Elle avait qu'à pas m'embêter. En attendant, moi je vais aller faire quelques petites courses pour moi et pas pour Lily Rose. Hop, plus d'iPhone, Lily Rose. Fini. Allez, fini. Maintenant, à chaque fois qu'on me réveillera, ça sera une petite bêtise comme ça. Bon, je pense savoir où Esteban cache ses petites affaires pour acheter des trucs. Alors, je pense que je vais acheter mon téléphone aujourd'hui. Alors, lequel je vais pouvoir prendre? Le 11, le 12? Je sais pas. Bon, allez, je suis sûre que c'est par ici. J'en suis sûre et certaine. Ah, le voilà, le coffre-fort. Bon, comme d'habitude, il a mis le même code. 1, 2, 3, étoiles. À tous les coups, c'est ça. Ah, voilà, oui, il est trop cool. Alors, voyons voir. C'est quoi ça? Ah, il y a plein de papiers, il y a plein de cartes. C'est sûr qu'avec ça, je vais pouvoir trouver un iPhone et me l'acheter. Il va bien rager parce que je vais en prendre un meilleur que lui. C'est parti, je vais aller sur internet et je vais prendre la livraison super rapide. Comme ça, je vais l'avoir dès ce soir là, dans même pas une heure. Allez, c'est parti, on y va. Trop bien, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et Esteban, il va pas être content, mais je m'en fiche parce qu'il a cassé mon téléphone. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Votre coffre-fort a été ouvert? C'est une blague? Quand ça? Mais c'est une blague, ça fait au moins 2 minutes que ça sonne comme ça, j'étais pas au courant. C'est Lily Rose qui a dû le chercher. Elle l'a trouvé. Elle l'a même ouvert. C'est sûr que c'est ça. Elle veut se racheter un téléphone avec mon argent. Ah! Lily Rose! Lily Rose! Lily Rose! Eh oh! T'es où? Oh non! Mon coffre! Mon coffre-fort! Mon coffre-fort! Il a été vidé! Il n'y a plus mon portefeuille! Oh, je rêve! Elle a tout pris! C'est sûr que c'est pour commander quelque chose! Elle veut se commander un iPhone! Sur ce coup-là, j'ai pas géré! J'aurais dû surveiller tout ça parce que c'est sûr qu'elle va m'arnaquer! De toute façon, elle a décidé de commander sur internet. Et si c'est ça, il va forcément y avoir un colis qui va arriver. Donc un facteur, donc un livreur. Il faut que je récupère le téléphone avant elle et que je le prenne pour moi. Comme ça, ça sera vite réglé. Mais avant ça, je vais faire une petite sieste. Et toi, je te prends. Comme ça, je te perdrai plus. Il n'y a plus qu'à attendre 2-3 heures.
avant que le livreur arrive. Bon, allez, je vais prendre celui-là, il est trop trop beau, il a l'air trop bien. Allez, je vais prendre celui-là. Waouh, allez, commander. Hop, ajouter au panier. Oh là là, trop cool! Je commande, et normalement je le reçois dans 1h30. Bon, pensons, il faut pas que Steven il le regarde, donc je vais essayer de... Je sais pas, bon, je sais pas ce que je vais faire, je vais aller dans mon lit, voilà. Je vais attendre et je vais attendre le livreur, voilà, j'espère qu'il va bientôt arriver. Oh là là, 1 heure ça va être long, 1h30 en plus. Bon, c'est pas grave, tu vas m'aider, alors ça va? A few moments later. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le livreur, trop cool. Allez, Midji, mais c'est mon téléphone. Et Stéphane n'a rien remarqué, trop cool. Allez, Midji, mais wouh! Bonjour. Bonjour, c'est vous, Lily Rose. Lily oui, Rose, oui, c'est moi. Lily Rose Baleine. Oui, c'est moi. Prenez votre colis. Au revoir. Allez, merci, au revoir. Pas très gentil, cette cliente. Très pressée, comme un citron. Oh là là, je suis trop contente. J'ai enfin eu. Je vais pouvoir le déballer. Oh, génial, là là. Bon, allez, hop. Je vais l'ouvrir. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. En plus, il est trop beau. Il est blanc et tout. Bon, allez, hop. Allez. Oh, trop bien. Trop bien, je suis trop excitée. Waouh. Il est là enfin. Ça fait 1h30 que je l'attends. Allez, hop, on va aller voir à quoi il ressemble. Oh, il est trop beau, regardez. Esteban, il va vraiment être jaloux, j'en suis sûre. Oh, il est magnifique. Les petits écouteurs, pas mal. Génial. En tout cas, il est trop bien. C'est l'iPhone 10. Je l'ai acheté reconditionné. Oh, il est génial. En plus, il est trop beau, regardez. Ah, c'est là. Ouais. Ah, c'est bon, mon coffre-fort est là. Alors, il est quelle heure? Non! Ça fait 5 heures que je me suis endormie! C'est sûr qu'elle a dû recevoir son téléphone depuis, elle a dû prendre une livraison ultra rapide! Je me suis fait avoir! Je sais pas quoi faire. Il faut que je le récupère discrètement. J'ai peut-être une technique pour faire ça. Je vais attendre qu'elle parte de sa chambre, qu'elle aille aux toilettes ou un truc comme ça. Non, c'est foutu, c'est mort. Elle va vouloir le prendre partout où elle va. Je peux rien faire. C'est sûr qu'elle va avoir un nouveau téléphone et pas moi. J'aurais pas dû lui casser. Résultat, j'ai pas de nouveau téléphone, elle en a un. Et elle m'a pris de l'argent comme ça. J'ai plus qu'à dormir. Ah, je suis dégoûtée. J'en étais sûre, tu t'en as, t'en as commandé un? Non, non, pas du tout. L'iPhone 10 en plus. Oui. Toute seule, t'as commandé ça comme ça? Oui. Ah bah merci. Non, ouais. c'est à moi. Donne-moi tout de suite. Je le garde. Ouais, t'as le droit de le garder une journée, hein. Ouais. Après, c'est pour moi, pour toujours. Non. Ah, en plus, tu l'as acheté en reconditionné. Oui. C'est même pas une vraie boîte. Allez, bon. Oh, c'est bon. Allez, hasta luego là. Ouais, hasta ciao, luego. Je le reprends ce soir. Ouais, non, dans tes rêves.